Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire ma vidéo sur mes achats soldes. Donc je vais commencer par les vêtements. Donc je suis allée à Valège, je pense pas trop vous montrer puisque ce sont des sous-vêtements et bon bah ça regarde pas tout le pays. Ensuite Motus. Donc, je me suis acheté 2 pulls à 10€ chacun. Donc Motus c'est un peu un magasin indépendant dans le même style que les magasins chinois, sauf que les vêtements ont l'air de meilleure qualité disons. Donc comment que ça se mise, voilà. Donc un petit pull dit pull en cachemire. Donc, il est noir. Il n'y a rien d'exceptionnel sur le devant. Voilà, il est noir complètement. Et le détail qui est, il est derrière en fait, il y a un espèce de, enfin c'est pas un espèce, c'est il y a un petit nœud, et donc il y a un trou quoi, voilà. Donc j'ai payé 10€. Donc ils disent qu'il est en cachemire, c'est vrai qu'il est très très doux. Donc après en cachemire enfin voilà, parce qu'à la base il est qu'à 20€. Donc bon, on se comprend. Et l'autre, donc j'ai payé 10€ aussi. Quand je l'ai vu, je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà, donc il est comme ça, il fait très cocooning. La coupe est, enfin, elle est basique, la coupe d'un pull. Quand vous le mettez, c'est assez large quand même au niveau des épaules. Donc, il a, vous voyez, des espèces de, je sais pas comment vous dire, des espèces de foufou, je sais pas ce que c'est. Avec des motifs, des grosses fleurs, je sais pas si vous voyez. Des grosses fleurs et des losanges. Il est d'une douceur incroyable, que ce soit dedans ou dehors, puisque dedans il y a aussi les espèces de petits foufous là, je trouve. Mais c'est incroyable la douceur qu'il a. Il perd pas ses plumes là. Franchement, je l'adore. Il adore. Ensuite, undies. Donc undies, j'ai pris. Donc tout était à moins 50. Hein. C'est comme ça. Alors j'ai pris un short. Enfin j'ai réussi à prendre puisqu'il y avait tellement de monde, c'est incroyable, les gens se montent dessus. D'habitude j'y vais pas aussi tôt après le début des soldes, moi j'aime bien y aller vers la fin. Donc un petit short rose comme ça avec un petit nœud que j'ai payé 4€. Non attendez, parce qu'il y a des trucs pour mon chéri aussi. 4,95€. Oui, 4,95€. J'ai pris un maillot, donc c'est pas l'ensemble, mais moi je. Bon voilà, je pense qu'ils iront très bien ensemble. Enfin, un maillot. Un haute mana, comme dirait ma fille, un mana. Donc un petit pyjama comme ça. Voilà. Donc avec marqué love dessus. Et derrière, c'est avec un. Voilà, vous pouvez l'attacher comme ça. Je pense que même pour sortir, ça ira très très bien. Le love, à l'intérieur, c'est une espèce de dentelle comme ceci, que j'ai payé 6,45€. Ensuite, j'ai pris un autre short comme ceci. Voilà. Il est tout simple. Que j'ai payé 4,95€. Et un autre t-shirt. Enfin, en ce moment, je mets celui-là pour faire dodo. Je le trouve trop mignon. Avec plein de petits nœuds. Avec plusieurs textures, en fait. Vous avez un petit peu de la dentelle. Un petit peu, je sais pas comment dire. Je sais pas comment vous expliquer, en fait. Plusieurs textures, plusieurs couleurs. Et voilà. Je le trouve très très beau. Et je l'ai payé 6,45€. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire Lush, puisque c'est le moins intéressant niveau solde, je veux dire. Donc, je me suis racheté mon après-shampoing, le Rafistoler. Donc, j'ai payé 15,45€. C'est mon Rafistoler. Oui, c'est mon Rafistoler de cheveux préféré. Oui, ça c'est sûr. C'est mon après-shampoing préféré. Il sent très très bon, c'est pas une odeur trop agressive, c'est vrai que chez Lush les odeurs des fois sont, voilà. Mais là il est très agréable, c'est léger.
ça c'est un après-shampoing, mais moi je l'utilise en masque en fait. Voilà. Tout simplement. Et je me suis repris une boule moussante pour le bain. Enfin une balistique. Celle-ci c'est Feu du Bengale. Hop. En fait moi celle que je voulais c'était l'œuf du dragon. Elle sent terriblement bon. Mais elle n'y était plus. Donc j'ai pris celle qui s'y rapprochait le plus niveau taille. Et puis l'odeur. Ça sent bon. Ça sent bon. Je sais pas. C'est agrume. Ça a agrumé. Ça sent, je sais pas, le citron, la verveine, voilà. Qu'est-ce que je vais vous faire? Peut-être les choses les moins intéressantes. Hein. Nocibé. Alors, Nocibé. Je me suis pris. Je voulais aller sentir un petit peu parce que bah, Girly Alex m'a donné envie de les sentir. C'est les délices Nocibé, les coffrets. Donc ceux qui sont comme ceci, je crois que c'est les nouveaux. Donc j'en ai pris deux, ils étaient à moins 70. Au lieu de 9,90, ça les fait à 2,97€. En plus les mignons de packaging sont mignons. Donc j'ai pris chocolat blanc et macaron framboise. Donc dedans vous avez un gel douche, un lait et un bain moussant. Alors je les ai sentis, celui-ci je trouve pas qu'il sent le chocolat blanc. Voilà. J'ai pas été con. Pardon, j'ai ok. J'ai pas été convaincue. Je trouve pas qu'il sent le chocolat blanc. Je trouve qu'il sent les macarons. Les macarons en fait. Voilà, je trouve que ça a une odeur de macarons. J'aime pas trop, je suis pas trop, voilà, j'aurais dû prendre guimauve, j'ai hésité, je pense retourner prendre guimauve tout simplement. C'est guimauve, il sentait trop bon. Et ensuite, macaron framboise, alors lui, c'est juste une tuerie, moi j'adore la framboise. Hein. Mais là, ça sent tellement bon. Oh là là, ça sent vraiment la framboise. J'adore. Oula, oula, bonjour monsieur le soleil. Il se réveille d'un coup, du coup on se voit plus. Je suis éblouie d'un coup. Ça va être dur. Je sais pas si on va. Ouais, on va falloir faire avec. Hein. Donc, oui, les couleurs d'un coup elles changent. J'adore. En plus, les petits packaging sont plutôt mignons. Voilà. Ensuite, voilà, petit soleil. Voilà. Tu reviendras quand j'aurai terminé. Mais t'es pas obligée de t'en aller complètement. Je suis verte. Ensuite je vais vous faire Monoprix. Alors Monoprix, je n'ai eu qu'un seul truc oui qu'un seul truc soldé. Désolée ça me gratte. Je vérifie mais normalement j'ai eu qu'un seul truc. Oui j'ai eu qu'un seul truc soldé tant pis. Alors je me suis pris donc le truc soldé, c'est la coloration de chez John Frieda. Couverture mousse donc noire qui est à 10€ et qui avait moins 50%. Voilà, parce qu'en fait je vais tester un petit peu un truc sur mes cheveux. J'ai acheté une décoloration, une crème décolorante de chez Franck Provo. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore celle-là, puisque j'ai aussi pris une coloration rouge de chez Olia, ma coloration habituelle. Voilà. Ensuite, je me suis pris le nouveau truc de chez Garnier, le soin miracle anti-âge transformateur de peau. Quand je l'ai testé dans le magasin, je me suis dit encore un truc de merde de chez Garnier. Puisque c'est vrai que les dernières bébés crèmes de chez eux et tout, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, j'ai testé sur ma main et ça m'a unifié totalement la main. J'ai adoré le résultat. Du coup, je l'ai pris. Elle coûte quand même 12€ quelque chose. Mais il y avait 1€ de réduction. Wouh! Ensuite, je me suis pris des petits masques de chez Garnier. J'aime bien les formats comme ça. Donc, c'est des masques auto-chauffants. Assainis les pores en profondeur pour 7 jours. Donc, je verrai bien. Et je me suis aussi pris des petites chaufferettes comme ça. Garde les mains au chaud pendant 7 heures. Donc, c'est Barba Papa. Par contre, c'est à usage unique. Donc, vous ouvrez. Je ne sais pas du tout comment c'est dedans. Vous ouvrez, vous secouez et hop, ça chauffe pendant 7 heures. À voir. Et je me suis repris des shampoings secs de chez Baptiste.
Donc j'ai pris le Brit que j'adore et j'ai pris le blush que je n'avais jamais testé et qui viennent de mettre dans mon monop. Il y a aussi le dark brunette qui est... Mais bon, bah, ça me sert à rien, je ne suis pas brune. Voilà.